tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je reviens vers vous, on va faire un petit haul Nose. Eh oui, il n'y a que Nose. Action, j'attends d'y aller vendredi dans le nouveau magasin. Voir si je peux trouver ce que je veux trouver sur Noël. Je voudrais les petites chaînettes, vous savez, où on fabrique le petit village de Noël. Il y en a 6. Essayer de trouver le pyrograveur avec le manche bleu. Et puis, je pense que ça ira là. Peut-être les twin markers aqua et twin, là. On verra bien. Bon, pour l'instant, on revient à notre petit haul Nose. Alors, j'ai trouvé des pochettes pour mettre, vous savez, dans les classeurs. Des pochettes transparentes comme ça. Alors, excusez-moi pour le bruit. C'est vrai qu'elles sont bien parce que moi, j'ai mes filles, elles n'aiment pas quand c'est trop, pas assez transparent, en fait. Donc là, franchement, elles sont super. Et comme ça, si j'arrive à trouver le pyrograveur, je pourrais me faire des petites pochettes. Par exemple, la pocket letter, par exemple. Voilà. Donc, j'en ai pris un paquet comme ça. Alors, c'était 1,29€. Et dedans, on en a 50, je crois. Ou 80, je sais pas. Parce que... je sais même pas. Je peux même pas vous dire, parce que j'ai marqué ça en bas. Donc voilà, il y a tout ça. Ah, je suis en train de se rouvrir, je vais en avoir partout. Bon, on va mettre ça de côté, ça fait du bruit. Je sais que c'est très désagréable à écouter en vidéo. J'ai trouvé les petites pochettes comme ceci. Ah, alors, 3,95€, certes. C'est pas donné. Attendez, je vais retirer ça. J'essaie de le mettre plus bas possible pour pas que vous entendiez trop parce que c'est vraiment... les emballages comme ça, c'est très désagréable. Voilà. Et dedans, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est des pochettes comme ça à zip. Hop. Voilà. Alors, elles sont en plastique. Mais dessus, ça fait un filet en fait. Donc moi, j'ai bien aimé. Faut mettre mes chutes de papier ou bien mes projets en cours. Donc, celle-ci, qu'est-ce qui nous marque? Alors, Zipa Bag avec curseur de couleur vive en plastique sur le dessus. Et biodégradable et respectueux de l'environnement. Bon, voilà, déjà. Donc, on en a une bleue. Celle-ci, j'adore. Elle est violette. Après, moi, je vais retirer les étiquettes qu'il y a dessus. Hein. Ça fait pas beau. Hein. J'ai une bleue, une violet, une rose. Attends, regardez comme elle est belle, la rose. Une rose. Une jaune. Une jaune qui fait une jaune fluo. Hein. Et une orange fluo. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je les garde. Hein. J'ai trouvé ça sympa. Donc 3,95€, mais bon, on en a quand même 5 dedans. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé des petits sachets craft comme ceci. Des sacs en papier. C'est conçu hein, pour emmener, vous savez, un goûter, un truc comme ça. Donc des petits sacs en papier comme ça. Je vais essayer d'en ouvrir un pour voir comment ils sont. Est-ce qu'il y a une ouverture hein? Bah, on dirait pas. Non. Alors, je vais passer par le haut. Hein. De toute façon, je vais les ouvrir à un moment ou à un autre. Hein. Je vais en sortir un. Oh, c'est mignon. Des petits sachets en craft comme ça, vous voyez. Ah, c'est sympa, mais... et on s'est rêve. Moins ça. Ah. Voilà. Donc voilà, ça nous fait un petit sachet comme ça. C'est assez profond. Pour faire des junk que j'ai jamais fait encore. Je m'y mettrai fatalement un jour. Hein? Donc dans le sachet, on en a combien? Ah. What? Bonne question. Attendez, j'essaie de le remettre dedans. Une fois que c'est sorti, c'est plus facile à sortir qu'à remettre. Donc, des petits sachets comme ça.
Ah, il y en a 6. Il y en a 6 dedans. C'est des petits sacs alimentaires, en fait. Hein. À la base, ils étaient à 2,50 € et ils ont été décotés à 60%. Donc, je les ai eus à 1 € le paquet. J'en ai pris 3. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors, c'est du cardstock stickers, apparemment. Comme ceci. C'était 1,99 €. Et dedans, parce que j'ai pas ouvert encore, hein, j'y suis allée hier, avec ma copine Béa, ma bichette. Béa, hein, elle saura pourquoi je rigole. Donc voilà, ça fait, on a des planches comme ça, avec plein de petits stickers, on en a, c'est tous les mêmes en fait, toutes les mêmes planches. Bon, alors je sais pas combien il y en a dedans là, mais... Qu'est-ce qui marque 6 sachets de stickers. D'accord. Donc, je ne sais pas combien il y en a dedans. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on a 12 planches comme ceci. Bah, sur le thème de la mer, ça peut être pas mal. Hein, ou du voyage. Donc, voilà, j'ai pris. Ça me plaisait bien. Ensuite, j'ai trouvé les petites breloques que j'avais vues en haul. Évidemment, ils ont mis le prix dessus. Donc, vous verrez pas les trois couleurs, forcément. Ah, ah, c'est bien retiré cette fois. Donc, j'ai pris celle-ci. J'aime bien. Ah bon, je ne sais pas si ça se met dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Peu importe. Donc, c'est comme des petites breloques, on va dire. Pour mettre sur un album ou... J'ai pris ceux-là, donc ça c'est blanc, enfin c'est plutôt nacré, hein. Blanc nacré, gris et noir. Et j'ai pris celle-ci, j'aime bien les prendre dans ce sens-là, moi. Mais l'emballage, je vous dirais qu'il est à l'envers, je sais pas. Donc bleu turquoise, ça c'est un peu effet marbre, et rouge et avec des petits points noirs. Ils étaient à 50 centimes le paquet, donc j'en ai pris. Ensuite, j'avais vu ça sur les halls. J'en ai trouvé, je suis contente, des attaches parisiennes de plusieurs grandeurs, de plusieurs couleurs aussi. Donc, j'ai pris dans les couleurs pastel. On a des grandes, on a des petites, des moyennes. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai déjà une idée à quoi ça va me servir quand je ferai un album. J'ai pris les couleurs vives. Hein. On a du violet, du bleu, du vert clair, du vert foncé. Voilà, et j'ai pris en noir, blanc et gris. Et c'était 50 centimes la boîte. Donc voilà. Ensuite, ça je le garde pour la fin. J'ai trouvé un petit bloc 15-15. Alors on a 36 feuilles et on a 9 designs différents. Je vous le montre comme ceci. Moi j'ai bien aimé. Voilà. Je crois qu'il est déjà passé dans les halls. Mais bon, on va essayer de faire comme ça. Oh, bah ça veut pas. Hein. Ça veut pas, ça veut pas. Comme ça. Je vais vous mettre sur mes mains, sinon j'y arriverai pas. Ça va pas les mains, donc voilà. Je vais vous mettre sur... Je vais vous baisser. Ça, ça m'embête. Voilà. Donc, on a donc le bleu comme ceci. Je le trouve beau. Alors, ça peut faire plusieurs designs, en fait. Ça, c'est des branches, hein, on dirait de sapin avec de la neige. En fond, tout basique, comme ceci. Je vous montre seulement les 9, hein. Celui-là, j'adore. Vraiment. Celui-là, plus simple. Voilà. Celui-là. Et il y a l'effet bois comme ceci. Trop beau celui-là. Vraiment. Et encore un fond un peu bleuté. Je ne sais pas si vous verrez bien la couleur. Celui-là. Un peu effet bois enneigé comme ça vers le bas. Et je pense que c'est la dernière feuille. C'est celle-là.
Donc avec des feuilles. Donc pour l'automne, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Oui, après, on repart. Donc on a 9 modèles. On a 36 pages. Donc ça fait... on a 4 pages de chaque. 4 pages, de 4 pages comme ça, 4 pages comme ça, 4 pages comme ça, etc., etc. Voilà, je vous remonte parce que j'aime pas faire mes hauls comme ça. J'ai pas ma table, j'ai pas ma plaquette, ma plaque de verre, voilà, hop. Après, j'ai trouvé un truc trop choupi. Voilà, un petit carnet comme ça, je vais le déballer, qui est trop beau. Depuis hier, manger. Alors à la base, il était à 8,99 €. Hein, presque 9 €. Et je l'ai payé 2,29 €. Regardez ça. Avec la petite sirène licorne. J'ai adoré. C'est d'Amoumout en fait. C'est tout doux. J'adore. Donc ensuite, la première page, elle est comme ceci. On va mettre le nom, je pense. Et puis après, on a des pages blanches comme ça. Avec tous des petits cœurs partout. Bah moi j'adore. Franchement je l'ai trouvé trop chou, trop doux. Vraiment il est trop doux. J'adore. Voilà. On va le mettre de côté. Ensuite, alors, j'avoue, je me suis lâchée, mais un tout petit peu, moi. Personne pour qui je dis ça va se reconnaître. Donc j'ai trouvé un petit tampon Crazy Heart à 1,50 €. Tampon de fond, hein. Voilà, il est comme ça. Il est petit, hein. Alors, franchement, voilà, il est petit. Mais pour faire des fonds, moi, je me suis dit que c'est plutôt pas mal. Et c'est de la marque, quand même, Crazy Heart. Donc, voilà. Ensuite, alors ça, c'est... Je ne sais pas... Ah, oui. C'est un tampon Studio Light. Après, j'aurais aimé trouver d'autres choses qu'il y a au dos, mais j'ai pas trouvé. Donc, j'ai pris... Cette madame-là, avec sa tasse de chocolat, avec des petits oiseaux, des petites croix. J'aime beaucoup. Moi, j'aurais bien aimé trouver celui-là. Et ça, je pense que c'est le pochoir, mais je n'ai pas trouvé. Voilà. Ensuite, en tampon, j'ai pris celui-là sur le thème de l'automne, en fait. Voilà. Il est beaucoup passé dans les halls. Ah, je vous ai pas dit le prix de celui-là. 1,99 €. Alors, c'est vrai que j'ai... Mais il est grand. Bon, c'est pour... Je trouvais ça un peu cher, mais bon. J'ai trouvé celui-là qui est à 1,99 €. Sur le thème de l'automne. Ensuite... en Studio Light, toujours. Ça, c'est Crazy Heart. Hein. Ouais. En Studio Light, toujours Essential. Il y en avait deux, mais j'en ai pris qu'un. Parce que l'autre était pas bien, était bien déballé, tout ça, j'ai pas... Donc voilà, je me suis pris un Dye the Fée, parce que j'en avais pas du tout, avec le tampon qui va avec. Franchement, j'aime beaucoup. Et je l'ai payé 2,50 € quand même. Hein. C'est pour ça que je vous dis que, voilà, c'est pas donné. Hein. Ensuite, j'ai trouvé... alors, cela, je les trouve trop chou. À 2,50 €, on a les dyes et les tampons. Sur le thème de la pluie. Voilà. Donc, on a les nuages. On a le parapluie. On a les gouttes. On a des petits sentiments. Happy. You make me. Showing you white love. Donc, je ferai une traduction. Ça, j'aime bien. Franchement, les dyes, ils sont trop mignons. J'aime beaucoup. Ensuite, en tampon, alors j'ai trouvé celui-là, d'un Studio Light. J'adore. 2,99 €, mais voilà la planche. Avec les petits chiens. Et la pépette, avec des sentiments, des écritures. Je vais vous montrer derrière. Regardez ce que ça donne. Alors, c'est vrai que celui-là était à 2,99 €, mais franchement, c'est trop beau, quoi. Et la première fois, moi, je suis passée à côté. J'en voulais un tampon de Studio Light, comme ça. Et c'était le combi qui était dessus.
mais je l'ai pas eu moi. Donc si au cas où vous avez ça, vous vous en servez pas, hein, n'hésitez pas à me contacter. Ensuite, j'ai pris ce dice là. Voilà. Alors il est en deux fois, en deux parties. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on peut faire l'étoile en deux parties comme ceci. Voilà. On peut mettre plusieurs, juste à poser plusieurs décors. J'ai trouvé ça assez sympa. Donc à voir le rendu, ce que ça va donner. Hein. Ça peut être très bien. Hein. Ça peut être vraiment trop trop chou. En plus sur le thème de Noël. Et c'est un Studio Light. Et je ne sais pas combien je l'ai payé parce qu'il n'y a pas le prix dessus. Voilà. Je crois que Pépette, les décos de Pépette l'a trouvé. Celui-là, peut-être qu'elle dit le prix dessus. Et celui-là, pour terminer. Alors, celui-là, j'ai trop, trop, trop kiffé. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Waouh !» Alors, il y avait les deux, par contre, de celui-là. Moi, j'ai pris la machine à écrire, comme ceci. Et en bas, on a trois petits tampons pour faire le cadre, ici. Et derrière, donc, la machine à écrire. Et il y avait aussi le petit appareil photo, mais je ne l'ai pas pris. Et donc, le dice, quand on le découpe, ça nous donne ceci. Il est trop, trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, pour envoyer un petit courrier au moment de Noël, en écrivant ici un joyeux Noël, on n'est pas obligé de se servir de ça. D'ailleurs, you are just my type. Lot of love. Et le troisième, je ne sais pas, parce qu'il est caché par l'étiquette. Ah, le troisième, c'est « It's time for you story ». Voilà. Donc, celui-là, j'ai vraiment adoré. Donc, voilà pour mes petits achats de noces. Hein, j'ai été raisonnable. Oh, j'en ai pas pris 3 tonnes non plus. Hein? Voilà. J'adore, c'est mon petit carnet. Franchement, je l'aime beaucoup. Ouh, il est tout doux. J'aime beaucoup ce petit carnet. Et puis, ben voilà, j'aime tous mes achats, sinon je n'arrivais pas à acheter. Donc, voilà pour mon petit haul nose. Maintenant, peut-être prochain haul vendredi, peut-être, si je trouve à Action ce que je cherche. Je vous ferai peut-être un petit haul à Action, parce que je cherche toujours le pyrograveur. Donc, j'espère qu'ils vont l'avoir mis dans le nouveau. Parce que j'ai demandé dans l'ancien, enfin, dans l'ancien, mais dans celui-là qui est déjà ouvert, ils l'ont pas. Voilà. Donc, c'est tout pour mon petit haul pour aujourd'hui. Donc, je vais vous faire de gros, gros, gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis, à bientôt pour une prochaine vidéo. On n'oublie pas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, alors là, je suis ravie. Et un petit abonnement. Waouh, je kiffe. Bon, allez, je vous laisse, j'arrête mes bêtises. Allez, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Je vous adore.